C'est pas trop son délire quoi, l'eau le Blaze, donc je sais pas pourquoi il viendrait à la plage tranquillement. Eh, c'est ça, il fait le Blaze, wesh. Le concept est simple, et surtout légendaire. À votre avis, que font les mobs une fois qu'on a quitté notre monde et fermé notre Minecraft? Qu'est-ce qu'ils font? C'est tout simplement ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, et franchement, ah, c'est très très stylé. J'ai pas envie de vous spoil. Mais à votre avis, comment je vais faire? Ah, franchement, je vous dis pas. En tout cas, vous allez le découvrir dans 3 secondes en fait, quand la vidéo va commencer. Je compte sur vous directement pour rester jusqu'à la fin, parce que j'en ai vu des choses, hein. Hop, 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 les amis, voici d'ailleurs la liste des derniers abonnés à la chaîne. Un grand merci à vous. Si toi aussi tu vas partir à l'écran, il suffit de t'abonner. Et tu passeras directement dans la prochaine vidéo. Le mot du jour est tout simplement mob. Voilà, mob. Mettez-le en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde. Et sur ce, allons découvrir la vérité sur les mobs. Au passage, j'ai repris ma chaîne Roblox. Va tout de suite t'abonner. Voilà, je viens de chercher une vidéo à l'instant. Sinon, crois-moi que je vais... Wow, ok, directement on arrive dans un petit monde et en plus on a un petit portail derrière. Bon allez, c'est parti, on va pas de temps, on commence directement notre mission. Comme vous le savez les amis, sur Minecraft on a plein de mobs. Des vaches, des moutons, des creepers, des zombies, bref. Du coup forcément je pourrais pas faire tous les mobs dans cette vidéo. Mais si la vidéo vous plaît, je ferai directement l'épisode 2. Et vous savez quoi, vu qu'on a un petit portail abandonné, on va en profiter pour y aller directement. On a quoi dans le coffre? Du coup on a de l'obsidienne, des petits trucs, c'est quoi? On va tout prendre, on a de l'obsi. Oh c'est parfait. Déjà hop, j'ai de quoi finir le portail. Bon par contre j'ai pas de briquet. Bon comme vous voyez juste là, j'ai une petite télécommande. Pour l'instant je vous dis pas à quoi elle sert, je la garde pour après. Bon déjà là il nous faut du fer. Parce que du coup j'ai le silex mais j'ai pas de fer. Bon déjà on récupère du bois en 2-2. Et boum, ça devrait suffire normalement. Table de craft, stick, boum, petite pioche en bois. On récupère directement de la pierre juste ici, comme ça on se fait une pioche en pierre. Boum et boum, c'est bon. Là j'ai de quoi récupérer du fer du coup. Parfait. On a du fer juste là, on va le récupérer. Vous savez quoi, on va en prendre que 3. Et voilà, c'est fait. On se fait directement un petit four comme ceci. Boum, rapidement, on pose juste là. Bois, fer, et ça part, c'est bon. Attention, attention, et boum. C'est bon, on a 3 de fer, c'est parfait. Boum, boum, et voilà, c'est bon. Ça nous a pris 5 secondes, voilà, vraiment, c'est bon. On peut directement aller dans le nether. Et vous savez quoi, j'ai pas envie de commencer par un mob simple comme la vache ou le mouton. Le premier mob qu'on va espionner, ça va être le Blaze. C'est un mob qu'on voit pas souvent. Allez, ça part, c'est bon, c'est allumé, direction le nether. Ok, on est directement arrivé dans le nether, et franchement, bah, pas de forteresse. Oh, oh, quoique, non, non, c'est pas une forteresse. Alors, on va partir à la chasse, hein. Oh, pire, je pourrais espionner un slime block. Non mais après là c'est trop dangereux, je pouvais pas. On va rester sur le Blaze pour l'instant. Et c'est une galère, c'est une galère. Je vois que des slime blocks depuis tout à l'heure, j'en peux plus. J'en peux. Oh y'a un Enderman, parfait. Y'a un Enderman. Oh c'est quoi? Oh bah quoi? Non. Bah non c'est bon. Pas d'Enderman, au final on a une forteresse juste là. Mais t'es bien caché quand même. Regardez comment c'est beau. Heureusement ça va, j'ai farmé pas mal de blocs, mais faut pas que je tombe. C'est bon. On y est. C'est bon. Oula. Et j'ai failli mourir. Allez maintenant objectif, trouver rapidement un petit blaze. Ou même plusieurs blazes. Un petit blaze. Attends peut-être en haut. Oh oui. Oui. Oh attendez, il y en a un qui est juste là. Aïe, il va m'attaquer. Hey. Mais non mais j'en demandais qu'un. Pas 8000. On va se faire un petit espace juste ici tranquillement. Voilà, carré. Voilà. Attends, je vais quand même vérifier. Ils sont combien? Ah oui. Là j'ai du choix là. Salut les gars, vous allez bien? Ok, ok, non, 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 ok, je repars. Bon, à votre avis, maintenant, comment je vais faire? Eh bah, c'est très simple. Comme je vais montrer en début de vidéo, du coup, j'ai une petite télécommande. Oh là là, les gars, regardez, il y a 8 millions de blazes. Il y a 8 millions de blazes, bon, bref. Nous, on va repartir de notre côté ici. Et boum, je prends directement une petite télécommande dans les mains. Et quand je vais cliquer, il va se passer un truc de fou. 3, 2, 1, et boum! Voilà, regardez-moi ça, là. Regardez, je suis en fantôme. Et parfait, regardez dans le chat, Shadowbass, Left the Game. En fait, maintenant, je suis plus qu'un fantôme, en fait. Je peux me balader, je peux faire ce que je veux. C'est comme si j'avais fermé Minecraft, en fait. Genre là, il y a plus personne dans le monde, il y a que les mobs qui sont entre eux. Zéro connecté, quoi. Sauf que bon, je suis toujours là. Et du coup, je peux directement les espionner. Oh, en plus, je peux voler, mais c'est parfait. C'est quoi? Allez, déjà, on va sortir d'ici tranquillement. Normalement, vu que je suis un fantôme, il me voit pas. Et je peux pas me faire attaquer techniquement. Oui, c'est bon. Je me fais pas attaquer. Ça va quoi, les gars? Va alors, les losers? Va alors? Bon, il faut qu'on trouve du coup un petit blaze. Oh, eux, ils sont bizarres là. Eux, ils sont bizarres là, les petits deux là. Attends, je suis lui par exemple. Où est-ce qu'il va là? Oh, je suis un petit fantôme. Et par contre, j'ai trop de flou, regardez. Ok, on suit discrètement. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, alors, ça, mon gars, c'est de l'espionnage. Ça, c'est de l'espionnage industriel. Regardez-moi ça là. Oh, il va rejoindre ses autres collègues. Mais oui, mais attends, mais il va juste rejoindre ses autres collègues. Mais oui, mais c'est quoi ce bordel? Touche chez moi pour qu'il aille voir ses autres collègues. Ça va ou quoi les gars? Bah alors, on peut pas me frapper hein, on peut rien faire. Oh il repart. Mais c'est le même ou c'est... J'arrive pas à savoir. Non, c'est lui je crois qu'on suivait. Bah alors frérot, t'as mis un son, il... Regardez, on dirait j'ai un son qui me voit en même temps, non? Mais qui m'attaque pas, c'est trop bizarre. Ah non, il y avait un autre qui était là. Mais il est passé où l'autre qui était là? Il a passé, bon je l'ai vu. Peut-être lui. Mais oui c'est lui qu'on suivait je crois. Oh attends, mais c'est la première fois que je vois un blaze, c'était la forteresse par contre. Hop là. Bon. Ah, mais verrouille, il part là. On dirait il refait le chemin que j'ai fait tout à l'heure en plus. Ok, on va le suivre. Mais non, mais là, attends, mais là déjà le blaze il est parti un peu trop loin là. Frérot, il part un peu trop loin. Il est en train de taper un petit de lave ou je rêve? Il était en train de taper un petit bain de lave. Hey, oui. En fait, j'ai l'impression qu'il faut que je me cache en fait pour l'espionner, mais non, je suis en fantôme. Personne peut me voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va allumer ça? Oh mais ouais, non, mais attends, il a vraiment craché une boule de feu dedans. Il a craché une boule de feu, il fait pas comme nous. Attends, faut que je le suive. Allez, boum. Oh, c'est bon les gars, c'est bon. J'ai spawn, il est devant moi. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il est dans les grottes, hein, on va le suivre. Mais ouais, attends, mais déjà un blaze dans l'overworld. Je sais pas pourquoi je me cache. Je suis un fantôme, il me voit pas. Mais je sais pas pourquoi, je comprends pas ce qui se passe. Déjà, on va descendre, on va le suivre. Attends, mais il y a un petit village. Attends, mais il met le feu au mouton. Qu'est-ce qu'il fait là?
est si bien. Oh bah oui, attends, mais il allume le feu de camp et tout. Mais attends, hey, je vous promets, c'est la première fois que je vois un village dans ce biome. Et c'est vraiment très stylé. Oh, attends, mais il y a un autre truc qui se passe là-bas. Regardez, on dirait il a envoyé son fils faire les courses. Mais je suis dans quel monde là? C'est quoi ce monde? Oh, il est là, il vient de ressortir. Il était dans la petite maison. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez, qu'est-ce qu'il fait, les gars? Mais qu'est-ce qui se passe sous mes yeux là? Il met le... Ok, on va laisser faire, Je sais pas ce qu'il fait, on va le laisser faire. Ah, il sort du village, attendez. Attends, on va le suivre discrètement. Oh, il se dirige vers la petite meilleure, tranquille, bro. Eh, hey, toi, t'es pas un peu allergique à l'eau, frérot? C'est pas trop son délire, quoi, l'eau, le Blaze. Donc, je sais pas pourquoi il viendrait à la plage tranquillement. Eh, hey, c'est ça, il fait le Blaze! Wesh! Alors, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça, tcha-tcha-tcha. Oh, qu'est-ce qu'il fait le Blaze? C'est quoi cette dinguerie? Je sais pas ce qu'il fait. Mon gars, il est assis, tranquille, jacuzzi, petite lunette de soleil. Non, mais regardez-moi ça. Non, faut que je marque le coup. Faut que je tape un selfie, faut que je le vois à tous mes potes là. Non mais regardez-moi ça. Le frérot, il vit sa vie normale. Vous savez quoi, on va faire un truc, on va le surprendre. Je vais me retransformer en humain avec la télécommande que j'ai et on va voir sa réaction. Parce que là, normalement, je suis censé être déconnecté, quoi, tu vois. Attends, je vais m'assurer qu'il me voit pas. Ouais, il me voit pas. Hey, oh, attends, mais il m'a droppé une blaze rod. Ok, pourquoi pas. J'ai une petite blaze rod dans les mains, on va la garder avec nous. Et les gars, on va lui faire la surprise de l'année. Êtes prêts? Et devant lui, je vais me transformer. Et boum, surprise. Oui, attends, il s'est vite. Ah non. J'ai cramé son secret. Il va me buter. Wow. Non. Ok, super. Prochain mob. Vite. Je déco. J'ai eu chaud. On passe directement, les amis, au prochain mob qu'on va devoir espionner. Et non, c'est pas des vaches parce que là, il y en a une, deux. Oui. Mais j'en ai 60 000 sur moi, il y en a partout. Mais bon, c'est pas ce monstre là qu'on va espionner. Ça va tout simplement être du coup un golem. Et comme vous voyez, j'ai trouvé du coup un village juste en face de nous. Le golem, faut savoir quand même que c'est un mob super mystérieux. Tout ce qu'on sait en fait, c'est qu'on le retrouve dans un petit village comme ça. Il vit avec les villageois, il les protège. Regardez là, tout triste. On dirait il est triste, hein. Il a les yeux rouges, il fait des nuits blanches, ça se voit. Encore une fois, grâce à cette télécommande, je vais directement pouvoir passer inaperçu. Oh, par exemple, je vais me coller par exemple à ce petit poulet là. Paf, je prends son identité par exemple. Et quand je reclique, boum, voilà, c'est bon, je suis directement au poulet. Et du coup, j'ai pris son identité. Et comme vous voyez dans le chat, Shadowbass level 2 game. Ce qui veut dire qu'en fait mon entité n'existe plus. Pop hop le golem. Non, il y a pas de villageois. Mais ça se trouve même les villageois ils font un truc bizarre. Hein. Oh, il est là-bas. Il est tout là-bas. Attends, on va le suivre. Et croyez-moi les gars, je vais pas le lâcher. Regardez-moi ce. Non, on dirait un dépressif. On dirait vraiment un dépressif. Mais what? Je suis en train de péter mon crâne. Attendez, vous l'avez fait quoi les villageois là hein? Vous l'avez fait quoi? Mais regardez-le, il est en train de partir. Eh, nous on va juste le suivre. Hein. Croyez-moi, on va pas le lâcher. Ouais, il parle avec un petit. Oh. Ouais, attends, mais quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il se parle. Attends, mais c'est un truc trop mignon là. Qu'est-ce qui se passe? Il lui donne des fleurs. J'assiste à un truc trop mignon. Regardez-moi ça là. Oula. Oula. Attends, il donne des fleurs aussi. Attends, je vais la récupérer. Hop là, c'est bon. Oh, mais what? Oh, il le suit. Il y a le villageois qui le suit. Regardez. Oh, c'est trop mignon. Attendez. Oh, mais ils se disent au revoir, ça se trouve. Ça se trouve, il quitte le village en fait. Quoi? Mais c'est... Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, je vais le suivre. Mais les gars, regardez où il est là-bas. Regardez où il est au fond. Vraiment, normalement, un golem, il peut pas quitter le village. Genre là, c'est sa limite. Et là, il est en train de partir, je sais pas où. Genre, je sais pas, il a fait des adieux bizarres. Allez, il est encore en train de le regarder, le villageois ici. Non, mais quoi? Attends, on va aller sûr. On va le rattraper. Et par contre, j'avance tellement doucement avec mon petit corps de poulet là. Reviens. Bon, les gars, j'en peux plus. Ça fait 15 minutes, je le suis. Et d'ailleurs, on est passé à structure là-bas. Bon, y a rien eu, y a pas eu d'interaction. Oh, on dirait il a eu un petit coup de réveil là, parce que c'est bon. Quoi? Attends, me dites pas qu'on est en train d'assister à la création d'un village. Je vais péter mon crâne. Hey! Attends, mais il est en train de construire un village en direct là sous nos yeux. Mais j'ouvre. Bah oui, il est en train de construire un village. C'est une dinguerie. Attends, je referme derrière moi. Et quoi là-bas? Oh non, je sais ce que c'est. Les gars, essayez de deviner ce qu'il est en train de faire. Oh, c'est une dinguerie. Je suis en train d'assister à un truc de fou. Je crois que c'est clairement le puits, non? C'est pas le puits qu'il y a dans les villages en général. Moi, je me mets à côté comme ça. Voilà, nos pressions. C'est un plombier. Le golem, c'est un plombier. Il est en train de faire passer l'eau du puits. C'est tellement stylé de voir ça. J'ai une petite larme à l'œil. Vraiment, j'ai une petite larme à l'œil. En fait, s'il pleurait, c'est parce qu'en fait, il avait quitté son ancien village et là, du coup, il est en train de créer du coup un nouveau village. Là, vraiment, on va assister à la création d'un village en direct. C'est-à-dire que là, bon, là, c'est la petite maison basique. Là, c'est le puits. Oh, j'espère qu'il va pas oublier la cloche quand même. Bon, normalement, il va pas l'oublier. Ah, c'est quand même le golem. Oh, ok, il a mis de l'eau. On va regarder. Oui, il a mis de l'eau comme il faut. Ok. Oh, c'est vraiment un vrai. Oh, la petite cloche. Oh là là, il est magnifique. Franchement, le puits, il est magnifique. Tellement beau. Hey, on a le premier villageois qui est né. Les gars, le villageois est dans sa maison tout seul. Regardez, il se sent déjà comme chez lui. C'est une dinguerie. Ok les mecs, on se retrouve directement après une petite pause. Et là, c'est une dinguerie. Regardez du coup le village, comment il s'est agrandi de zinzin. Ah bah ok, il leur a posé le petit bloc de... Non mais c'est une dinguerie. Alors là, on a vraiment le petit village avec les petits blocs de paille. Là, il fait sa petite vie. Franchement, je le trouve trop clean. Bien sûr, on va lui faire la surprise. On va se transformer devant lui. On va voir s'il va nous attaquer. Salut frérot. Hey, il me regarde. Salut frérot, comment tu vas? T'es prêt? 3, 2, 1. Surprise! Allez, tu vas faire quoi maintenant? Bon. J'ai pas fait long feu. Le prochain mob les amis, ça va tout simplement être du coup un poisson. Voilà, j'ai envie de tester avec un poisson pour voir. Parce que ouais, depuis tout à l'heure on fait des monstres, on fait des petits golets, on fait plein de trucs. Mais j'ai pas encore testé les poissons. Et il y a les méduses en vrai. Oh, en vrai les méduses ça pourrait être trop stylé. Alors la méduse, bah alors tu me vois bien. Hey! Attends, mais c'est quoi ça? Il est passé où? Hey! Un pufferfish!
Ouais, surtout, il va super vite. Oh, il y a un saumon en plus là-bas. Oh non, il y a trop de dingueries. Méduse, pufferfish, saumon. Attends, je vais remonter. Et c'est quoi? On va prendre le pufferfish. Le pufferfish, parce que vraiment, c'est ça, c'est rare. Vraiment. Eh, attends, mais je prends trop de dégâts. Faut que je remonte. Mais je vais perdre de vue. Il est tellement petit. Regardez comment il va vite. Regardez comment il va vite. Reviens. Il est là, c'est bon, je le vois. Je le vois, il est tout là-bas. 3, 2, 1, et boum. Voilà, je suis encore une fois en poulet. J'ai repris poulet parce que je le trouve grave discret. Et encore une fois, comme vous voyez dans le chat, Shadowbass, left the game. Voilà, je suis plus qu'un poulet maintenant. Oh, par contre, il était où? Ce que je l'avais laissé, il était là. Oh, il est là. Il est juste là. Il est juste là. Hey, ok. Mais les gars, c'est une dinguerie comment les peuples. Wesh! Non! Attends, mais c'est la pleine lune, c'est quoi? Qu'est-ce qui lui a fait faire ça? Attendez, wesh! Mais mec, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Regardez, attendez, mais bien. Regardez la tête, c'est vraiment lui, mais il a un corps de fou. Non, les gars, je suis discret. Regardez la tête qu'il fait. Regardez-moi la taille qu'il fait. Waouh, mais attends, il est passé vraiment du mob le plus petit du jeu au mob le plus. Hey, attends, mais en plus, il agresse les autres. Ouais, attends, mais il tue des chevaux. Mais waouh! Hey, mon gars, le pufferfish, dès qu'on a le dos tourné, il fume tout le monde. Mais c'est une dinguerie. Non, même les poulets! Même les poulets! Non, il m'a pas vu. Ah si, il m'a vu! Il m'a vu! Hey, mais non, mais c'est pas du tout ce que je suis en poulet. Il faut pas que je suis en poulet. Là, il va m'attraper, il va m'attraper. J'espère qu'il va tuer les chevaux. Tue les chevaux, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Oh oui, il s'occupe des chevaux, ça va ralentir, ça va ralentir. Oh oui. Attends, mais mec, il est en train de les terminer. C'est une dinguerie. Regardez, dès qu'ils voient un mob, ils le fument. Oh, oh non, regardez. Non, il m'a vu. Bon, vous savez quoi? Eh, on va le surprendre. Croyez-moi, il va se remettre en pufferfish. Regardez. Regardez la chaîne alimentaire, comment va se switch. Chaîne alimentaire. Et boum. Oh, oh, bah alors maintenant, regardez-le. Regardez, bah oui, il a peur dès qu'il voit un player. Dès qu'il voit un vrai joueur, voilà. Allez, retourne d'où tu viens là, regardez. Et par contre, il est sacré en minuscule. Et par contre, il m'a mis un cœur. Hein. À deux doigts de mourir. Attends, mais Lucie me regarde bizarrement là, le cochon. Voilà, c'est ça. On le regarde. Bon, allez, prochain mob. Le prochain mob, les amis, qu'on va espionner, ça va tout simplement être du coup pas un cochon, mais une vache. D'ailleurs, j'ai trouvé un petit troupeau de vaches bien mignon juste ici. Bon, vous le savez, avec la vidéo, on pourra pas faire tous les mobs. Mais bon, j'essaie d'en faire un maximum. Et du coup, on a un petit troupeau de vaches tranquillement ici. Voilà. Oh, bah oui, une petite bébé vache. Ça pourrait être cool, ça. Salut, toi. Comment tu vas? Voilà, pour l'instant, il me voit forcément. Il va rien faire d'insensé. Du coup, je vais directement me transformer encore une fois en poulet dans 3, 2, 1 et boum. Voilà, c'est bon. Shadowbass step the game, voilà, comme d'habitude, on connaît. Alors, les petites vaches, que faites-vous pendant que les joueurs ne sont pas là, pendant qu'on ferme notre Minecraft? Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Alors. T'as l'air bien triste, ma belle, hein. Les gars, on dirait pas qu'elle a l'air grave triste. Regardez cette petite tête. Elle a l'air bien triste. Ouais, après, c'est un peu les têtes qu'elles ont les vaches en général, hein. Elles ont toutes l'air. Regardez même elle. T'as l'air bien triste, toi. Hein, t'as l'air bien triste. Regardez sa tête. Elles ont toutes l'air tristes. C'est une dinguerie. Pour l'instant, y a rien d'anormal qui se passe, hein. Je comprends pas. C'est quoi? Je vais avoir une bonne vision sur les vaches de loin. Voilà, je vais me mettre comme ça et je vais toutes les regarder de loin. Jusqu'à ce qu'il y en ait une qui fait un truc bizarre. Déjà, elle, pas de truc bizarre. Elle, pas de bizarre. Pour l'instant, elles sont toutes normales, hein. Y a rien, les gars, d'anormal, hein. Les vaches, je crois que. Non mais là, on tient un truc de fou quand même. Regardez, la vache, elle est toute verte. Depuis quand il y a des vaches? Attends, y en a une autre qui va devenir vert ou pas? Je sais pas. Non? Si? Je sais pas. Voilà, suivez les gars, on va pas la lâcher. On va clairement. Ouais, je me suis fait invoquer. Bon, là, je peux plus trop la suivre. Je peux plus trop la suivre. Oui. Attends, je peux encore zoomer. Je l'ai encore en visuel. Je l'ai encore en visuel. Je l'ai toujours en visuel. Regardez quand je les zoome, elle est où? Regardez quand je les zoome, elle est où? Regarde. Ah, salut collègue, ça va ou quoi? Non mais. Oh, non, elle est trop loin. Elle est trop loin. Non, c'est bon. Oh là, ah bah c'est bon. Elle est plus là. Quoi ce bordel? Oh la dinguerie! Dites-moi qu'il y a une autre vache là, il y a un cochon, il y a des vaches, il y a forcément. Ok, une autre! Ok, non mais regardez, toutes les vaches elles deviennent vertes, mais c'est pour ça que des fois il n'y a pas assez de vaches dans un biome. Regardez! Oh, bah, voilà, alors elle repart aussi, elle repart au ciel. Salut mon pote, à la prochaine! Il n'y en a pas une autre là? Et il y en a tellement. Une autre! Allez, une autre! Putain, il y a plus beaucoup. J'ai l'impression qu'il manque des vaches, ça se trouve j'en ai loupé certaines, hein. On devrait regarder là-bas. Là-bas il y en a derrière nous quelques-unes. Ok, on a une ici, Elles vont toutes s'envoler. Salut! Non mais wesh! Combien de vaches s'envolent? Du coup, techniquement, si je me remets en humain, du coup, elles vont tomber, du coup. Ok, les gars, est-ce que vous êtes prêts? Attention, et boum! Je suis en humain, c'est bon. Ok, ok, il y en a une qui tombe ici. What the fuck? Il y en a une autre là. Wesh! Attends, il y a pas de vache qui tombe. Il y a toutes les vaches qui sont. Regarde. Attends, je vais en F5. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Attends, mais j'en ai pas vu autant monter quand même. J'en ai pas vu autant monter. Regardez. Dans tous les sens, il y a plein de vaches qui tombent. Hey! Waouh! Oh, c'est de tout à l'heure. C'est du début, celle-là. Oh, bah, il y en a une qui a survécu. Même deux. Même trois. Non, bah, non, il y en a que deux. Ok, il y en a deux qui ont survécu. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Regardez toute la bouffe qu'il y a. Pris bouffe, vraiment. On a de la bouffe dans tous les sens. Bon bah, prochain mob. On se retrouve directement, les amis, dans un prochain. Oula, je suis en train de vous déranger, les gars. Ouais, je crois que je dérange. Ouais, il me l'a clairement dit. Bon, je vous laisse dans vos petits dates. Vas-y, je pars un peu plus loin. Le prochain mob, les amis, ça va être très simple. Comme vous voyez là, il pleut, il fait de nuit, c'est parfait. C'est tout simplement, du coup, un mob. Un peu méchant. C'est lui. Non, c'est pas lui. C'est pas un zombie. Oh, si, c'est un zombie, mais c'est pas ça. Il est où? Les gars, c'était un zombie villageois. Il est là, c'est bon, je le vois. Il est là. J'ai une flèche dans le pied. Mais arrêtez! Attends, il est juste là. Vraiment, il est juste. Bon, faut que je fasse gaffe. On va se transformer directement, je pense, en fantôme. Comme ça, je me ferai pas attaquer. 3, 2, 1, go! Voilà, c'est bon, c'est parfait. Shadowbass, leave the game, c'est bon. Voilà! Là, on est bien. Attends, mais là, ils sont en train de s'entretuer. Il fait quoi? Bon, voilà, c'est lui que je voulais suivre, les gars. C'est lui. Le petit zombie villageois qui est vraiment très, 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 très rare à voir. Pour l'instant, on le suit. Et c'est trop stylé d'être en fantôme, vraiment. C'est trop
trop trop stylé. Qu'est-ce qu'il fait? Par la fenêtre, quoi, dans la fenêtre? Hey, il y a eu un cadavre avant. Il y a eu un cadavre. Il fait quoi là? Qu'est-ce qu'il fait? Regardez de ce côté. Regardez par là. Oh, là on voit bien. Là on voit très très bien. Ok, ok. Il prend un truc dans les mains. Ça sert à quoi? Il prend du maquillage. Mais quoi? Hey, qu'est-ce que je viens de voir sur les yeux? What the fuck? Il s'allonge dans le lit où je rêve. Hey, il y a sa tête qui dépasse. Il y a sa tête qui dépasse dans le lit. Oh, j'ai voulu lui claquer la tête. Non mais les... vous avez bien vu ce que j'ai vu? Non, non, c'est trop. C'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh, bah oui. En plus là, on a un normal, on a un creeper et lui il va rejoindre les villageois tranquille là-bas. Mais ils sont en date depuis tout à l'heure, ils se parlent. Et genre, il va les rejoindre comme ça normal. What the fuck? En fait, ça se trouve, tous les villageois, ils peuvent devenir des zombies et revenir en mode normal quand ils veulent. Voilà, normal. Voilà, ils s'incrustent avec eux, ils discutent avec eux. Vad, il aura lui piquer sa meuf carrément. Il aura lui voler sa copine sous ses yeux. Waouh, non, c'est sombre ce qui se passe. Hey, bon, allez, moi je pars. Prochain mob, j'ai trop dérangé. Ok, les mecs, le prochain mob, ça va être très simple. C'est moi qui vais le faire spawn. En gros, comme vous voyez là, du coup, attends, j'essaie de les contourner. Là, depuis tout à l'heure, je parle doucement parce que, regardez, je suis surveillé par les pillagers là. Ils me laissent pas tranquille, je vais sur le biome neige. Parfait, nickel, c'est bon, j'y suis. Hey, ils vont super vite quand même, hein. En fait, je veux juste rentrer, prendre de la neige. Oh, c'est bon, parfait. Il y a la tête de citrouille que je voulais. Parfait, vite. Allez, on la récupère, tête de citrouille. Nickel, je l'ai. Oh, ils sont emprisonnés, les pauvres. On pourra tellement les suivre. Mais j'ai pas le temps, désolé, les gars. C'est le bonhomme de neige que j'ai envie de faire spawn. Hop, on prend ça avec nous. On prend ça et je redescends. Tiens, prends ça. C'est bon. Voilà, prends-toi ça. Voilà, c'est bon. Allez, maintenant, plus qu'à farmer la neige. Ok, normalement, j'ai assez. 1, 2 et puis 3. Oh, parfait, c'est bon. C'est lui que j'ai envie de suivre. Hey, il attaque en plus. Il m'aide. Parfait. Voilà, tu vas faire quoi, frérot? Tu vas rien faire. Allez, attaque-les. Attends, je me fais attaquer de fou. Faut que je parte. Attends, je vais me transformer en fantôme. C'est bon, ça me saoule. 3, 2, 1, go. Voilà, t'as de base snipe de game. Et voilà, un peu de répit, c'est bon. Bah, ça va être parfait pour le suivre, du coup. Hein. Oh, il y a un ours. Oh, l'ours. Oh, c'est trop beau. Eh, par contre, bizarrement, on dirait il me voit. Alors que techniquement, il est pas censé me voir là. Hein. Ah, c'est bon, il me voit pas. C'est bon. Ouh, j'ai eu peur. Parfait, je suis pas sérieux. Bon, il fait quoi, du coup? Eh, mais il va fondre. Mais il est débile. Les gars, il est en train de se rendre vers le. Il est débile. Il veut fondre. Normalement, on est d'accord. Genre, un bonhomme de neige, bah, s'il va sous le soleil, il fond forcément. Normalement, son biome, c'est la neige, c'est là où on est. Là, il va dans le biome sable tranquillement. Et regardez, le soleil, il tape en plein dans le. Eh, en plus, il se fait. Fais quoi? Non. Arrête, frérot. Casse pas la légende. Casse pas la légende. Non, il va pas faire ce que je pense. Il va pas nous faire une blaze. Il nous a fait une blaze. Attends, regarde, il est trop drôle. C'est quoi ce bordel? Il s'est allongé sous nos yeux. À l'aise. Vraiment, il est à l'aise. Hey, qu'est-ce qu'il balance en l'air? J'arrivais pas à voir. Ah, c'est des petites boules de neige. Il est en train de fondre. En vrai, ça se trouve, ça lui fait du bien. Il a retiré sa petite tête. Il a ses petites lunettes. Le petit soleil. Le sable. Parce qu'en fait, il aime pas trop le biome neige. Lui, son délire, c'est vraiment être là, en fait. Oh la dinguerie. Il est à l'aise. Oh, mais trop bien. Tu sais quoi? On va le surprendre. Vous êtes prêts? Allez, on va se remettre en humain très bientôt. Oh, même temps, c'est pas des boules de neige, ça. Oh, c'est des boules de sable. Oh la dinguerie. Ah, mais il joue avec le sable, en fait. Il s'amuse, hein. Il s'amuse, mais dès qu'il me verra, vous allez voir ce qu'il va faire. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Et boum! Hey, oh, il s'est vite ramassé, hein. Bah alors? Allez, il a honte. Il est en train de partir. Allez, voilà. Il repart chez lui. Ouais, fais genre, on a rien vu, frérot. Fais genre, tu traînes dans le biome neige. Voilà. Ah, voilà. Il fait genre, il est inaperçu maintenant. Regardez. Même lui, il l'a cramé. Même lui, il l'a. Yo, tu joues à quoi quand il le suit? Oh là, ouais, en vrai, c'était drôle quand même. C'était sacrément drôle. On passe directement au prochain mob. On est directement, les amis, dans l'end pour le dernier mob. Bon, il faut savoir que j'ai pas pu faire tous les mobs, malheureusement, vu qu'on a beaucoup trop. Mais si la vidéo vous plaît, épisode 2, je vous en fais un autre avec les autres mobs que j'ai pas pu faire. Ou sinon, vous mettrez des mobs dans les commentaires. Là, je voulais quand même finir avec l'Ender Dragon pour l'épisode 1 pour marquer le coup. Et du coup, l'Ender Dragon, bah, il est pas là tout court en fait. Je sais pas où il est passé où. Il était là il y a 3 secondes. Il est plus là. Ah, il est là, c'est bon, je le vois. Il est juste là, les gars, devant nous, dans la brume. Bien sûr, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se transformer du coup en Enderman, vu que l'Enderman, c'est un peu le seul mob crédible qui traîne dans l'End. Ah ouais, il est vénère, hein. Bon, c'est quoi? Allez, on va se cacher un petit coup là-bas. 3, 2 et 1. Boum! C'est bon, je suis un Enderman. Voilà, parfait. Là, ça le fait. Shadow Bass, left the game. C'est bon. Bah, c'est qui ça? Non, là, les gars, je suis un Enderman. Je ne suis plus Shadow Bass. Je suis un Enderman. Wesh! Attendez. Non, il s'est rien passé. Mais regardez juste la barre en haut. L'Ender Dragon, c'est plus l'Ender Dragon, c'est le Héros Dragon. Bizarre, attendez. Ouais. J'ai l'impression qu'il a l'air plus essoufflé quand même, là, hein, depuis que je me suis déconnecté. Comme s'il faisait moins d'efforts. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. On dirait qu'il n'arrive pas à supporter son poids. Genre, il redescend. Qu'est-ce qu'il fait? What the fuck? Et c'est ça, il se passe dans l'aide pendant qu'on n'est pas là. Donc, c'est ça, il fait. Hey! Quoi? Attendez, c'est ça le Nain Dragon? C'est ça? C'est ça, il fait. What the fuck? C'est ça le Nain Dragon? Wesh! Qu'est-ce qu'il vient de faire? Attendez, on va regarder. Wouah! Attends, mais il est en train de dormir. Non, il est en train de dormir. Non, c'est quoi cette dinguerie? Je vais péter un câble. Il est en train de dormir, regardez bien. Il est juste derrière. Attendez, il est en train de respirer. What the fuck? Mais les gars, regardez. Il est en train de dormir. Je bouge pas. Ok. Hey! Et il se recouche. Ah oui, en fait, c'est juste, il vérifie s'il y a un humain ou pas qui vient. Et dès qu'il y a un humain, il se met en Nain Dragon. Mais c'est-à-dire que le vrai Nain Dragon, il est mort en fait. Lui, c'est juste un substitut. Qu'est-ce qu'il veut? De fait, bon, on va continuer de le surveiller, hein, parce que c'est très intéressant. Hey! Attendez, les gars, j'arrive! J'étais à l'autre bout de ma chambre, j'en pouvais plus. What? Attends, il est en train de danser? Attendez, je vois pas bien. Je vous promets, il est en train de danser. Regardez-moi ça là. Et. What? Non, mais mec, non, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? On va le surveiller. Il est descendu en bas. Donc, je descends, dis quoi? Il est en train de. Mais qu'est-ce qu'il est en train de prier qui? Mais là. Ouf, non, mais c'est une dinguerie. Non, mais qu'est-ce que c'est quoi ce moment? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Attendez, mais quoi? Je prends le risque de me faire brûler pour voir ça. Mais regardez, il est en train de faire quoi? Regardez, il est en train de.
Il est en train de prier la statue de l'Under Dragon. What the fuck? C'est n'importe quoi. Vous êtes prêts? Je vais le cramer. Je vais le cramer. Vous êtes prêts? Il est temps de se transformer directement sous ses yeux. Bon, attends, je vais mettre vraiment devant lui. Devant lui comme ça, parce que là, il me voit pas là. Non, mais c'est une dinguerie. C'est vraiment ouf de voir ça sur Minecraft. Bon, 3, 2, 1. Et boum! Surprise! Hey! Il s'est raté cache! Wesh! Comment ça, il remonte? Reviens là! Attends, je me mets en créatif, je le suis. Il est passé où? Ouais, ouais, ouais. Ouais, fais genre, on va te croire. T'as l'Under Dragon. Allez, voilà, c'est bon. Attendez, il est reparti cache au boulot. Ah, il m'a vu? Il est reparti cache au charbon. Ah, c'est n'importe. Hey, franchement, c'est une dinguerie. Hey, non, non, je sors du silence. La vie, je vais sortir du silence.